dans cette courte vidéo, je vous propose une rythmique vraiment sympa à jouer. C'est une rythmique percussive et qui est très utilisée par Rodrigo et Gabriela, deux guitaristes mexicains. Et avant d'aller plus loin dans la vidéo, si jamais vous êtes débutant ou intermédiaire et que vous souhaitez apprendre et progresser à la guitare de la manière la plus simple et efficace qui soit, je ne peux que vous conseiller mes méthodes en ligne. Ça représente plus de 17 heures de contenu vidéo. Il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux. Vous aurez accès à une centaine de tablatures téléchargeables et des partitions de morceaux connus, à plus de 100 vidéos d'entraînement avec la tablature et les accords qui défilent, afin que vous puissiez mettre en pratique ce que vous aurez appris avec moi. Évidemment, vous aurez accès à plus d'une centaine de cours vidéo et de tutoriels. Il y a aussi un chat sur lequel vous pourrez me poser toutes vos questions durant votre progression. Tous mes cours sont sans théorie ni solfège, je vais droit à l'essentiel afin que vous puissiez rapidement vous amuser et maîtriser votre guitare. Alors pour s'entraîner à faire cette rythmique, on va faire un accord de si mineur en barré qu'on va venir faire à partir de la corde de mi case 6. Cette rythmique, on va la diviser en deux parties. Je vous montre rapidement la première partie, ça va nous donner ça. Donc pour jouer ça, le premier coup, il est simple, on va le jouer assez franchement vers le bas et on va tout de suite s'empresser de venir étouffer le son avec ses doigts en enlevant la pression, ce qui nous donne lentement. À la suite de ça, on va garder nos doigts tels quels sans mettre de pression et on va faire bas, haut avec le pouce, ensuite on va venir taper avec la main et ensuite on va terminer en faisant haut, bas avec les doigts, ce qui nous donne lentement et en tout pour la première partie, bas, bas, haut, tap, haut, bas. Voilà, entraînez-vous tranquillement à faire ces premiers mouvements. Bas, bas, haut, tap, haut, bas. Vient ensuite la deuxième partie qui est un tout petit peu plus technique. Je vous la montre, ça nous donne ça. Donc pour jouer ça, on va commencer par deux coups vers le haut avec le pouce. On va se contenter de remonter que sur les trois cordes aiguës et on va venir vite étouffer le son comme on a fait lors du premier mouvement, ce qui nous donne... À l'issue de ça, on va faire ce qu'on appelle un rasgueado. Pour ça, on va utiliser index, majeur et annulaire, qu'on va venir jouer les uns après les autres, mais assez rapidement pour avoir ce rendu-là. Alors la plupart des guitaristes le font dans l'autre sens, annulaire, majeur, index, c'est comme vous le souhaitez. Donc je récapitule le début de la deuxième partie, ça nous donne on, on, rasgueado, ensuite on va venir taper avec sa main comme on l'a fait précédemment. Et pour terminer, on va faire on, bas, on sur les cordes étouffées. Donc en tout et lentement, la deuxième partie, ça nous donne. O, O, rasgueado, ta, O, A, O. Et sans parler. Donc notre rythmique jouée entièrement, première et deuxième partie, ça nous donne ça lentement. Et du coup, on pourrait s'amuser à jouer cette rythmique sur ce qu'on appelle la cadence andalouse. C'est une suite de quatre accords qui sonnent plutôt espagnols. Donc, pour le premier accord, on va jouer notre accord de si mineur. Ensuite, on va se décaler de deux cases vers la gauche pour jouer un la majeur. On se décale encore de deux cases vers la gauche, on va jouer un sol majeur. Et enfin, on se décale d'une case vers la gauche pour faire un fa dièse majeur. Du coup, on pourrait jouer la rythmique une fois sur chacun des accords. Je vous montre ce que ça donne lentement. Un peu plus rapidement. On pourrait aussi diviser la rythmique entre les accords, par exemple jouer la première partie sur le si, la deuxième partie de la rythmique sur le la, et ensuite rejouer la première partie sur le sol et la deuxième partie sur le fa dièse. Et voilà, c'était une courte vidéo simplement pour vous montrer une petite rythmique avec laquelle vous pouvez progresser et vous amuser. Moi, comme vous le savez, je poste plein de vidéos sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à liker, à partager, à commenter, et je vous dis à bientôt. Ciao.